Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Dokkan Battle. Déjà avant de commencer, je vous souhaite à tous une bonne année, de joyeuses fêtes, plein de bonheur à vous, plein de chance, tout ce que vous voulez. J'espère que 2019 vous apportera tout ce que vous souhaitez. Et on a eu sur Dokkan Battle du coup un portail de malade. Je vais pas en parler très longtemps parce que j'ai vraiment hâte d'invoquer là. On est le lendemain, j'étais pas chez moi du coup voilà. Je rentre, je vais invoquer. Donc sur le premier, donc on a la première mutie à 20 où on a un perso ZTUR garanti. La mutie à 40 où on a un leader de type Néo Super garanti. Donc Super In, Super End, etc, etc. Pour 40 DS après, on a un Néo Extrême donc de garantie. Pour 50 ensuite on a un leader catégorie garantie, et après pour 50 DS on a un Néo LR. C'est juste incroyable les frérots. On peut faire ça deux fois, ça veut dire max 400 DS, donc 200 DS pour chaque cycle. Et je suis juste super hype. On va commencer tout de suite, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour donner de la luck. Ça ferait grave plaisir. Première multi ZTUR garantie, c'est parti. J'espère que je vais avoir de la luck. Alors, les ZTUR, j'espère juste pas avoir Freezer en fait, le reste je prends des doublons. C'est juste le Freezer full power que j'ai à 100% tout simplement. Et la première multi qui commence avec un Végéto. Dommage j'ai pas Végéto Blue, parce qu'il faut savoir, corps détecteur, il y a les LR. Et ça, c'est juste incroyable. Bon, on sait déjà qu'on va avoir un... Le Végéto, il veut pas dire grand chose là, parce qu'on sait déjà qu'on va avoir un ZTUR à la fin de la multi. Mais peut-être on aura un autre SSR au cours de cette multi, on espère. On espère... Bon, ça a pas l'air de... Ok. Bon, c'est clairement pas le... Ah, un Janemba doublon qui tombe juste avant le ZTUR. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est dommage que le hint le surpasse totalement depuis qu'il a eu un ZTUR. Mais ça fait grave de chez grave plaisir. Donc, première multi. Ah. Bon, j'avais pas de doublon dessus, mais c'est vrai que lui non plus, j'en veux pas en fait. Parce que j'ai le brûlé l'air. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, d'accord. Bon, j'aurais largement préféré un autre, mais... Ok, bon, j'ai Janemba. Première multi, très satisfaisante. Donc, on part là sur un Néo Super. C'est parti. Au niveau des LR, j'ai que le brûleur. J'espère vraiment que je vais pas avoir le brûleur. Franchement, ça m'a foutu très mal. Ah, il y a Végéta. On peut peut-être avoir un deuxième Végéto. Rainbow. Oh, la fusion. Pas de Végéto Blue. Végéto normal, encore une fois. Bon, on a un Dokkan Fest garanti, hein, donc... On espère que on aura peut-être un deuxième comme tout à l'heure. Alors on commence avec quoi? Avec un Magetta, donc qui se Dokkan maintenant. Un Tenshian. Oh, Jiren qui tombe. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je l'avais déjà. Ça me fait un deuxième doublon du coup. Donc ça me fait mon troisième Jiren. Et ça, c'est juste le feu les gars. C'est juste le feu. Donc un switch. Oh, oh, ma mère. Ah, je le voulais, les gars. Putain, j'ai fait tomber ma Switch. Oh, les gars. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Leader catégorique que je voulais absolument. Le C17. Je m'étais fait pisser dessus sur le portail. Oh là là, ce Switch magique, les gars. Cette multi, elle est incroyable. On va voir qui on va avoir. J'espère qu'on va pas avoir Gogeta Int. Mais déjà, la multi, elle est vraiment incroyable, les gars. Oh là 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 là. Et un petit Goku SSJ4. J'avais pas de doublon dessus. Oh là 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 là. C'est... Oh, oh, ces invocations, les gars, sont juste incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. C'est vraiment fou. Donc, on part maintenant sur le Néo Extrême. Et on va avoir pas de Végéta cette fois. Donc, c'est pas grave. On a un petit relâché Rainbow. Ça fait toujours plaisir. Donc, comme je disais, leader catégorique cherché, il y avait le C17 justement que je viens d'avoir. Le Badak, je n'ai pas non plus. Le Thales non plus. Donc, ça ferait grave plaisir de les avoir. Au niveau des Néo LR, j'ai pas le. Oh, un doublon de Gogeta. Bon, c'est un peu dommage parce que c'était... Bon, c'est le dernier doublon qui me manquait. Maintenant, je l'ai à 100% du coup. J'espère plus jamais l'avoir. Mais un Gogeta, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Putain, c'est multi là. C'est le feu, les gars. C'est vraiment le feu là. C'est incroyable ce qui se passe. Donc, ouais, j'espère que je vais avoir un autre LR que le Broly. C'est juste le truc qui me foutrait vraiment le mort d'avoir le Broly. Sachant qu'il y a 10 LR. Sur ce portail là. Et un doublon de couleur N qui tombe. Peut-être le meilleur doublon que je pouvais espérer en fait. Peut-être le meilleur doublon. Il est juste incroyable le couleur N. J'avais encore jamais eu de doublon. Et je suis extrêmement satisfait. On part maintenant pour la multi les gars. Du LR garanti. Espérons que c'est pas Broly. Je prends tout sauf Broly. Bon, il n'y a aucun truc. On sait que c'est LR garanti. Mais c'est quand même un peu bizarre. Hein. C'est quand même un peu bizarre qu'il n'y ait rien. J'espère vraiment pas avoir Broly. J'espère avoir une chance sur 10 de l'avoir. Si je l'ai, ça serait vraiment dommage.
ça serait... J'ai peur, hein, les gars. Là, j'ai vraiment peur. Je vous le dis, j'ai vraiment des... Je respire mal. J'ai du mal. Mais vous vous rendez compte quand même, un Néo LR garanti. Un Néo LR, les gars, c'est juste incroyable. Un perso avec un taux de drop qui est quand même très très maigre. J'ai peur, les gars. J'ai peur, j'ai pas avoir son ombre. J'espère pas avoir la main là devant. Oh, doublon de Gohan Ultime. Mais c'était un leader catégorie, qu'est-ce que je raconte. C'était un leader catégorie. C'était pas le LR là, en fait. Je me suis trompé, c'était un leader catégorie. Du coup, on a eu un doublon du Gohan Ultime. Alors, c'est un très bon doublon, je n'en avais pas. J'aurais préféré avoir un leader catégorie que je n'avais pas, mais très très bon doublon, hein, des meilleurs doublons que je pouvais espérer ici. Et en plus, j'ai eu le C17 avant, donc depuis quand je peux me plaindre. Un Satan sur bout du coup pour la mutie avec le LR garantie. Et c'est là qu'on va voir si j'ai le Broly ou pas. Franchement, j'ai peur, les gars. J'ai peur, j'ai deux LR en fait, hors Végéto et Gogeta LR. Je n'ai que le Freezer et Goku LR qui n'est pas sur ce portail, si je ne me trompe pas. Et le Broly du coup. Ok, hein, et Goku et ses jus, pourquoi pas. Végéto End! Je l'avais pas non plus! Incroyable, les frérots! Incroyable! Oh. Ah, franchement, attends. J'ai peur pour la fin, là, parce que je me dis, j'ai tellement eu de chance que... J'espère que ça va pas être Broly. J'ai le cœur qui bat sans l'air, les gars. Je ne suis pas bien. Qui est-ce? Je crois qu'il est là. Oui! Le sel qui tombe! Le sel qui tombe! Je viens d'avoir le leader cyborg en plus. C'est le sel qui tombe. Et là, je suis extrêmement content. C'est peut-être le meilleur Néo LR qu'il y a sur le jeu actuellement. Je suis juste joie. Je suis incroyablement heureux de ce premier cycle. Oh là 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 là, les gars, deux leaders catégoriques qu'on n'avait pas. Oh là là, cette vidéo, les frérots, cette vidéo, incroyable. L'année commence très très bien, là, on a un ZTUR qui arrive. Ah là, on espère que c'est peut-être un ZTUR que par exemple, Goku SG3, je n'ai pas de doublon dessus, Gohan Ultimate Hint aussi. Ça serait pas mal, hein, ça serait pas mal d'en avoir. C'est vrai qu'on a été gâté pas mal, là, on a été gâté pas mal. J'espère, franchement, de base, j'espérais juste pas avoir de Broly LR sur le LR garanti, c'était ma hantise. Donc on a encore un LR garantie là. Un doublon encore du Golden Freezer Hit. Mais c'est quoi ces invocations? J'avais déjà un doublon, j'en ai un deux. Mais ma box qui prend un up de malade mental. Incroyable. Incroyable, c'est ça. Avec le switch, avec tout ce qu'il y a. Ah, Celtech. Alors, j'avais déjà deux doublons. J'en ai un troisième, c'est une excellente unité. Ouais, je prends, clairement, je prends, pourquoi pas. Après, j'aurais préféré Goku CG3 AG, sachant que je n'ai pas de doublon dessus, mais c'est clair que je ne vais pas cracher sur un sel. D'ailleurs, j'ai pas utilisé ma DS, faudrait que je l'utilise. Je sais pas si je peux encore l'utiliser. Vegeta. Encore un Végéto. Ah, il y aurait eu un Végéto Blue, les gars, ça aurait été incroyable. C'est le clou du spectacle, ça aurait été un Végéto. On a eu pas mal de Végéto. Bon, après, on a beaucoup de Doctrine Space garantie, mais ça fait plaisir quand Végéto tombe. Hein. Ça fait plaisir. Alors, ici, ça va être le Néo Super, du coup, en espérant pas avoir de Gogeta Hint. C'est vrai que Végéta... Alors, le Cell Hint, qui a eu un ZTUR, qui est plutôt très bon. Donc, je suis plutôt content là-dessus. J'espère... Végéta, par exemple, j'ai pas de doublon dessus, j'aimerais bien avoir Végéta. Gogeta Hint, je l'ai à 100% maintenant. Donc, c'est vrai que c'est l'unité sur laquelle je voudrais pas tomber du tout. Bon, d'accord. C'est dommage. C'est dommage, mais je peux pas me plaindre. Clairement, je ne peux pas me plaindre. C'est pas grave. C'est pas grave là-dessus. C'est vrai que cet enfoiré, il tombe alors qu'il y en avait plein, mais c'est pas grave. Alors, on va voir qui là. Chaozu Tenchian. Bon, c'est un perso du détecteur. C'est un peu normal vu qu'on a un truc garanti là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, les frérots. C'est incroyable. On a la chichi. Piccolo. Chichi encore. Janemba. Un peu bizarre cette mec. Raditz. Sangouane Super Saiyan GT. Oh, j'ai eu peur. Ok, bon, pourquoi pas, hein. Ça fait un SSR de plus. Et le Kid Buin qui tombe. J'avais déjà un doublon dessus, ça me fait un deuxième doublon. Excellente unité.
Magnifique doublon. Magnifique doublon. Ok. Ok, je prends. Je prends. Donc maintenant, on va avoir un leader catégorie. Ça serait vraiment génial si je peux avoir le Vegeta Blue Evolution ou Thales. Ça serait vraiment génial. Après, j'ai déjà eu le C17 que je n'avais pas. Pour l'instant, je suis très 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 gâté par ces invocations, les gars. On espère juste pas dropper de sel ou de Broly, du coup, juste après. On va commencer par un Tagoma. Allez, les gars, C'est incroyable ce qui se passe. Un autre Jan Mbappé! Deux doublons sur Jan Mbappé! Punaise! Punaise! C'est incroyable, ça! Oh là 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 là, ce portail, les gars, il est béni. Ce portail est béni, les gars. Attendez, on va voir qui en dernier. On va voir qui... Switch. Oh, Mega Shenron N que je n'avais pas. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Un nouveau leader catégorie qui est le dernier de la multi. Pour l'instant, très très gâté. On espère juste sur la dernière multi qu'on n'aura pas de Broly LR ou de CD LR pour en avoir un nouveau. C'est vrai que Bojack me fait de l'œil. J'aimerais bien avoir un Bojack. Après, honnêtement, je prends beaucoup de choses. Hein. Je prends tout ce qu'il y a. À part les deux que j'ai déjà, ça serait du gâchis quand même d'avoir un doublon. Avec si peu de LR, SSJ3, ah, pas de SSJ God, pas de SSJ God, mais on a un LR à la fin aussi. Oh, Vegeta. Ok, bon, j'ai un peu frisé au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça. Badak, Dodoria, Docteur Gero, Nappa, clairement, j'espère juste pas voir la suite de Broly qui se tient comme ça là, j'espère juste pas voir ça. Vegeta. Un plaque qui tombe. Plaque LR qui est tombé. Oh là 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 là. Ah, des meilleurs LR du jeu de la même façon. Oh. Bon, les gars. Meilleur portail du jeu, de l'univers, de toute la vie. C'est vraiment incroyable. Je vais vous faire un petit topo de ce qu'on a eu parce que on a eu énormément de chance là. Bon, autant je me suis fait pisser dessus depuis certains mois, autant là j'ai été récompensé tout simplement. On va prendre les SSR. SSR par date. Attendez, les gars. Attendez. Ouais, je tremble. Alors, voilà ce qu'on a eu en 400 DS. Un Broly ZTUR doublon. Deux doublons de Janemba. Un triplon de Jiren, donc deuxième doublon. Un doublon de Goku SSJ4. Un C17 Cyborg que j'attendais depuis si longtemps. Ça fait grave plaisir. Donc, leader catégorie. Un Gogeta End, donc maintenant je l'ai à 100%. Un doublon de couleur End. Un doublon de Gohan Ultime. Cell LR. Super Vegeto End. Cell Tech. Il va avoir 3 doublons. Deuxième doublon Golden. Il va juste devenir incroyable. Un Gogeta que je vais devoir jeter à la poubelle. Malheureusement, j'ai mal. Mais bon, je peux pas me plaindre. Un Kid Buin. Du coup, ça fait 2 doublons sur Kid Buin. 2 doublons sur Janemba. Du coup, aussi. Omega Shenron que je n'avais pas. Et Black que j'avais. C'est juste des multis incroyables. Je ne suis pas tombé sur Broly. Je suis très content. Alors, pour ce qui est des catégories, on a juste foiré sur lui parce qu'on l'avait déjà à 100%. C'est dommage. J'aurais kiffé avoir un doublon de VGT CJ Kataji. Je ne l'ai pas eu, mais clairement, on ne peut pas se plaindre. Là, faut que je me mette des petites baffes. Parce que je me plains alors que j'ai vraiment eu des très bonnes multis. Leader catégorie sur le tirage leader catégorie garantie. Donc, j'ai eu le. J'ai eu des leaders que j'avais déjà, je crois, de base. Mais j'en ai eu deux en plus, nouveaux. Qui sont le Vegeta et... Enfin, non, en fait, non. J'ai eu le hors détecteur. Enfin, pas sur les multi garanties, mais sur... en gros, dans les autres persos de la multi, pas sur le perso garantie qui est leader catégorie. J'arrive plus à parler, les frères, c'est un truc de mal. J'ai eu deux persos que je chassais depuis si longtemps. Et ça va juste être énorme. Ma team va prendre un réel up. Et je vais pouvoir jouer plein de catégories. Ça me fait super plaisir. Dommage pour le Vegeta Blue Evo. De toute façon, je pense qu'il reviendra tôt ou tard. On va essayer de le choper là-dessus. Et très content pour le Omega N. Voilà pour cette petite vidéo, les frérots. J'ai plein de persos à Dokkan. C'est juste la folie. Je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Meilleur portail de l'univers. Portez-vous bien. Joyeuses années à vous. Les mains commencent très bien. Plein de bisous. Ciao, ciao, l'équipe. Ciao.